J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, début d'un nouveau vlog. J'espère que vous êtes contents. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Du coup, voilà, c'est là. Je me suis dit, je vais essayer de faire un vlog tous les mois parce que c'est cool avec ma copine. En gros, elle doit acheter des cadeaux de Noël, tout ça. Du coup, on va l'accompagner aujourd'hui. Le programme du jour, c'est quoi? On va aller dans le marais et on va acheter des petits cadeaux. Elle a repéré une petite boutique. Je vous en dis pas plus. Ça se voit, je me suis réveillé. Hein. Ça se voit, je suis éclaté au sol, putain. Bon, du coup, ça a mangé une petite pizza et tout en détente là, après-midi. Oh, ça pleut là. Eh les mecs, il fait trop froid. D'ailleurs, je suis obligé de mettre une capuche comme ça là. On dirait un peu hein, une Charlotte. Oui, de fou. Il y a ma copine, elle met du Nicki Minaj là dans mes oreilles. J'adore ça. C'était ce son là. Bon, on se dirige vers le Sneakers and Stuff. On est à Sentier à Paris. Et en gros, apparemment, il y a des promos de fou. Genre un centre de déstockage énervé. Du coup, les produits sont pas chers. Du coup, on va aller voir ça. Hein. Les mini chaussures. Oui. Imagine, t'achètes ça à ton enfant, t'as vraiment, il est bien. Est gris, hein. Parce que moi, j'avais des Geox hein, quand j'étais petit. Hein. Les gars, c'est claqué au sol. Il y a le Père Noël. Oh, mais il est vivant. Ah mais oui, putain. Ouais, Charlie, si tu vois ça, si tu le verras jamais, je suis en train de t'acheter ton cadeau du Secret Santa. Du coup, Charlie, si tu vois cette vidéo. Le meilleur BD qui est légendaire. Je sais pas si vous en souvenez. Elle est trop belle. Nel, obligé. J'avoue, le Vivienne, il est vraiment beau. Hein. En vrai, tu sais que moi, je pense que je vais m'acheter un truc comme ça. Parce que, tu sais, Virgil Abloh, il a quand même... c'est comme le frérot, genre. Là, on est chez Bershka, là. En vrai, les jeans, ils sont vraiment bien. Agnès Tuy, ils avaient sorti un sort de jean un peu délavé, très délavé. Chez Bershka, ils ont fait exactement le même, vraiment le même, la même, en un peu moins là. Et je l'ai trouvé, là, je l'ai essayé. Franchement, il est pas mal, regardez. Je sais pas si on voit bien, là. Genre, vraiment, il est pas mal, genre. En vrai, ça rend bien. Là, Krispy Kreme. Ok, attends, je suis... Il est 16h30, genre 17h. Théma, le temps de merde. Il fait nuit. Ah, c'est. Je sais pas quoi en penser en fait. Tu connais, on lâche pas les classiques. En vrai, j'ai un goût de fraise banane. Je suis cordé un peu. Hein. Menu ouais. Wagyu entier, 280 balles, etc. Ouais, je t'ai guetté les gars, il y a du Wagyu, dinguerie. Waouh. Du coup les frères, je suis rentré chez moi. Journée très très cool. On détente, hein. C'était carré, j'ai pu acheter le cadeau de mon frère. Que je vais pas vous montrer parce qu'à tout moment il regarde la vidéo, du coup il va se faire spoil. Je vais vous montrer un peu le pantalon du coup que j'ai acheté chez Bershka là. En détail tout ça. Je me suis acheté du coup le jean que j'avais montré, que j'avais essayé. En gros le thème c'est quoi? C'est, regardez. Ça, j'avais essayé du coup dans les cabines une taille 40 et là en gros j'ai pris 42 les gars. Bon, on va l'essayer tout de suite et on va voir, hein. J'espère qu'il est bien. En vrai, attends, là, on voit pas trop, je vais allumer une lumière. Les gars, vraiment il est carré, hein. Je kiffe de fou. Je kiffe de ouf. Juste, je vais devoir faire se rouler, ça c'est chiant. Là en détente, ouais, c'est du KFC en détente. Un petit date avec Stéphane là.
Bah, les frères, du coup, on est arrivé au bowling là. Ouais. C'est, il s'appelle comment le bowling déjà? Je t'aime pas. Bon, ah, le Mouftar, le Mouftar. Le Mouftar. Ah, t'es mal à perdre. T'es mal à perdre. Ouais. J'ai raté, putain, j'ai raté. Ah, tu pues la merde. Non, tu veux refaire, tu veux refaire? Non, non, toi, toi, frère. Ah ouais? Ah oui. Vas-y, mon gars. Vas-y, tape. Wesh. Wesh. Mais tu trouves, tu fais combien là, le score là? Moi, je pense que je te mets un petit 80. 80? 80. Là, t'es ambitieux, frérot. Je pense que c'est un bon 75. 75. Première partie. 75. Okay. Mais premier, attends, vas-y. Mais non. Dommage, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. Toi, c'est t'appuyé, toi, c'est t'appuyé, regarde. Et voilà. Bon, les gars, on en a joué, mais. Non, mais c'est moyen. La théorie newtonienne, je crois, c'est ça? C'est ça. C'est la théorie newtonienne. C'est ça. Tu connais ça, révise en bas les maths. Casse les couilles. Force à tous ceux qui. Font des maths, les gars, on est ensemble. Il est 23h45 et en gros, les gars, la FEV, il a annoncé un album qui allait sortir le 22 à minuit. Là, aujourd'hui, on est le 21 et il est 23h45, c'est-à-dire que dans 15 minutes, il y a l'album de la FEV. Du coup, les gars, allez streamer ça en bas, là. Le son 24, c'est une pépite. Les gars, j'ai fini l'écoute de l'album de la Fève. Merci pour le poulet, frérot, c'était incroyable. J'ai dégusté comme un ouf. Gros point fort sur les prods. Kosei, Friki, Liel, tout ça, là, ils sont trop trop forts. Les flows qui posent la Fève, ils sont incroyables. Dites-moi ce que vous en avez pensé de l'album dans les commentaires. En vrai, ça m'intrigue un peu, ou même en DM sur Insta. Et vraiment, merci, hein. Merci la Fève. Sur ce, moi, les gars, je vais aller retourner bosser. Voilà. Allez streamer l'album de la Fève. Comme ça, vous avez la Fève dans la galette. Mon frère, on va acheter un cadeau de Noël, 250€ pour la daronne. Une commande de 250€. Ah putain, ah oui. On a acheté lui quoi. Ouais, il est tard hein. Ouais, je suis sûr, ouais. Mais j'avoue, 250 balles. Mais t'es mal à la qualité de la laine. Quoi, ça, ça c'est du pesto. Ah ouais, ouais. Bon, mon plat il a l'air triste un peu. T'es mal. Bon les gars, là on se rend au Acne Studio de Paris là. Où on va aller récupérer les shorts qu'on avait acheté pour la daronne. C'est genre à 45 minutes de chez nous, c'est pas loin. On va aussi aller récupérer la caméra que j'ai achetée. Ouais, c'est bon, du coup on a récupéré les shorts. Et maintenant on se dirige vers Beaugrenelle pour aller récupérer ma caméra, c'est important. Putain, ça a changé Tokyo Revenger. Ah ouais. Ça peut porter à confusion hein. Putain, et les gars, le manga il est plus grand que mon avenir là, ouais. Mais ça a changé, avant les mangas c'était pas aussi grand hein. Cadeau là. On m'a offert. Ma copine elle m'a acheté un petit pop marne genre. Pour ceux qui savent là, pour ceux qui ont suivi les vlogs Corée-Japon, vous savez, on aime bien les pop marne. Regardez ce que j'ai eu. Petit emballage un peu stylé et tout. Regardez, il est trop stylé. Regardez. Comme ça il te suit du regard. Je sais pas si t'as capté. J'ai acheté un pull. J'avais chez Flipstar Classique. Regarde avec moi. On va arrêter le vlog aujourd'hui. On est tout simplement le jour du réveillon. Vraiment, on est en 2024. Merci pour tout cette année, les frères. Je vous aime de ouf. J'espère que 2024 sera une big année pour nous. Prenez soin de votre famille, tout ça, tu connais. En attendant, les gamins, je vais aller profiter de ma petite soirée de Nouvel An. On se retrouve dans une prochaine vidéo, du coup, l'année prochaine. N'oubliez pas, je vous aime.